Prenne. Cette patience, comme je dirais, c'est un arbre. Les racines sont en mer. Et tu l'as expérimenté. Tu as souffert, tu t'es sacrifié. Ok? Pour qu'enfin ce jour arrive. Et ce jour est arrivé. Mais le fruit est délicieux. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a lié. Cela veut dire quoi? Et là, je m'adresse à l'assistance. Ok? Nous qui accompagnons ces enfants, ne soyons pas, à un moment donné de leur parcours, l'objet de la séparation. Avec le premier âge, Balobiboy, Balobi a monté pour accompagner Balobi. Pas tout ça, parfait. Hein? Pour que ce soit dans ta tête, le mariage, c'est pas un long fleuve tranquille. Ok? Il y aura toujours des problèmes. Mais ces jours-là, l'oncle l'a dit tout à l'heure, c'est là où je voudrais rectifier un peu ce que ton oncle ici présent vient de dire. C'est vrai que la coutume, c'est le premier pas. Mais il y a le Dieu tout-puissant. Amen. Le Dieu tout-puissant. Ce que Dieu n'a pas scellé, hein? C'est que les portes resteront toujours ouvertes. Et je voudrais que vous vous présentiez un jour devant l'Éternel pour dire, nous voici. Ok? Je ne vais pas discourir. Le moment viendra. Je vous ai déjà assez parlé. Je crois que vous avez des oreilles pour vous. Mettez un peu sur vous. Souvenez-vous toujours du Seigneur. Soit votre parfait, qui vous accompagne dans votre parcours. Cette lumière de la paix, sa gloire, se manifeste dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen.